Chaque personne baptisée est appelée à être missionnaire. Nous sommes donc appelés par le Seigneur lui-même à proclamer l'Évangile où que nous soyons. Notre monde d'aujourd'hui a besoin de témoins pour attester de Jésus-Christ, de sa compassion et de son espérance. C'était là l'intention première de Pauline Jaricot. Pauline Jaricot continue d'inspirer notre travail parce qu'elle a donné, d'une manière très simple, leur charisme aux œuvres pontificales missionnaires. Marie-Pauline Jaricot est une icône de la foi pour chaque femme et pour chaque laïque aussi. Où que nous soyons, notre rang social est le début de ce que nous pouvons faire et de ce que nous pouvons être. Aujourd'hui, l'œuvre de Pauline Jaricot est présente dans le monde entier. Vous ne trouverez aucun endroit sur Terre qui n'a pas été touché par Pauline Jaricot. Pauline nous laisse tout un héritage, et c'est le cas de le dire, dans le monde entier. Nous sommes présents, particulièrement la propagation de la foi, dans plus de 120 pays, d'abord et avant tout pour offrir un service d'animation missionnaire.